naît ce désir de révolte, d'insoumission? Vous êtes né, vous avez grandi dans un petit village entre Bienne et Tavannes. Votre père, et d'ailleurs vos parents, tenaient là une pharmacie. Votre père était d'ailleurs maire du village, colonel à l'armée. Donc vous avez grandi dans une sorte de bourgeoisie villageoise. La grande bourgeoisie villageoise. Voilà, le troisième enfant d'une fratrie. Vous avez un grand frère, une grande sœur. D'où est venu chez vous, personnellement, pourquoi cette insoumission? Bah, ce n'est pas très original, effectivement, comme beaucoup de jeunes qui se sont mêlés à la lutte révolutionnaire. Dans ces années-là, ils étaient souvent issus de milieux bourgeois. Pas tous, bien entendu, mais c'est vrai qu'il y en avait beaucoup. Et moi, je crois que dès mon plus jeune âge, donc je vivais dans un petit village qui s'appelait Péry-Rochenette, où j'ai grandi, dans lequel il y avait une fabrique de ciment, de Vigier, de la famille Vigier. Et mon grand-père paternel en a été le premier directeur. Donc, il y avait une espèce d'ambiance, j'allais presque dire coloniale, dans la maison dans laquelle j'ai grandi, avec une grand-mère. Mon grand-père, je ne l'ai jamais connu, il est mort assez rapidement, avant ma naissance. Ma grand-mère était un personnage éminent dans ce village où tout le monde la saluait chapeau bas. Et comme je suis né le même jour qu'elle, j'étais une espèce de petit prince. Et quand elle m'accompagnait dans les rues du village où tous les gens la saluaient chapeau bas avec « Bonjour madame la directrice », c'était son rôle de madame la directrice restait imprégné dans son identité. Et elle me disait, je me souviens qu'elle me disait toujours, n'oublie jamais le nom que tu portes. Et donc c'est contre tout ça qu'à un moment donné, à l'adolescence, vous êtes révolté? Mais déjà que j'étais petit, il y avait beaucoup de... Le jardin, les gens qui venaient aider à ramasser les feuilles mortes, enfin, comme c'est le cas dans la grande bourgeoisie, c'était toujours des ouvriers de la fabrique de ciment qui venaient faire le gros œuvre, hein, si je peux dire, à la maison. Et cette manière dont ils étaient accueillis, cette condescendance dans le regard dont je me souviens de la part de ma grand-mère et des proches, ça m'a révolté. Ça paraît bizarre de le dire, mais je vous assure que c'est vrai. Dès mon plus jeune âge, je devais avoir 7-8 ans, et cette manière de s'adresser aux ouvriers qui enlevaient leur chapeau, qui le tournaient dans leurs mains et qui étaient extrêmement mal à l'aise devant quelqu'un qui les considérait comme inférieurs, avec cette manière de parler qui ressemble un peu au langage, peut-être plus aujourd'hui, mais enfin qui ressemble à ce langage hospitalier où on s'adressait à ceux considérés comme inférieurs, c'est-à-dire les ouvriers de la part de la grande bourgeoisie, en disant « on ». Hein, on a soif, on veut une bière. Et cette manière de parler, très jeune, ça m'a bouleversé, parce que je voyais cette condescendance dans les yeux de ma grand-mère et de mes proches, et je voyais ce regard proche de l'humiliation de l'ouvrier qui était confronté au regard de celui qui considérait ou qui était son supérieur. Et ça m'a marqué terriblement. Et je pense que ça a animé en moi une rage que j'ai eu beaucoup de peine à contenir. Qu'avez-vous fait de ces révoltes, de ces utopies pour lesquelles vous vous battiez? Vous avez poursuivi une carrière ensuite, je dirais, ou une vie artistique, à la fois dans le théâtre, la peinture, la littérature. Évidemment qu'on va ouvrir une page consacrée au livre. Mais finalement, que sont devenues ces révoltes adolescentes de ce jeune homme qui avait ce pavé à la main à Lyon en mai 68? Écoutez, je crois très honnêtement et très sincèrement, vous pourriez demander à mon fils hein, qui est dans la salle, je crois que je ne suis pas à l'envers de mes rêves de 20 ans.
Bien entendu, je veux dire, je suis plus, j'ai plus la même ferveur révolutionnaire que je pouvais avoir quand j'avais 17, 20, 25 ans. Mais d'une certaine manière, oui, je suis resté, je crois, fidèle à mes idées. Et j'essaye d'en tirer la moelle nécessaire qui, pour moi, est l'humanisme. Voilà peut-être ce qui a changé, c'est que je suis devenu un humaniste.